Bonsoir, bienvenue à vous. Alors tout d'abord, bah voilà, je souhaitais, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Je vous remercie également d'être présent ce soir pour cette conf donc qui portera sur le thème du déséquilibre des classes en apprentissage automatique. Donc je me présente, donc je suis Emmanuel Rémy, je travaille chez EDF Recherche et Développement au sein d'un département donc, qui s'appelle le PRISM pour performance, risque industriel, surveillance pour la maintenance et l'exploitation. Donc c'est vraiment un département de R&D qui a trait finalement au management des risques industriels inhérents aux activités industrielles d'EDF, du groupe EDF. Et moi plus particulièrement, je travaille au développement de méthodes, de modèles, d'outils, d'algorithmes de nature statistique et probabiliste pour évaluer la fiabilité ou la durée de vie des matériels, des installations de production d'électricité d'EDF, aussi bien des installations nucléaires que hydrauliques, que éoliennes ou que photovoltaïques. Donc voilà en gros mon profil. Donc accessoirement, donc je suis un ancien de l'ISUP et puis je suis également voilà, le secrétaire général de l'AEISUP, donc l'association des anciens étudiants de l'ISUP. Donc, vous imaginez bien que c'est un plaisir pour moi que d'être présent ce soir pour présenter ce travail dans ce cadre-là. Alors, pour celles et ceux donc, qui ne connaissent peut-être pas très très bien l'association des anciens élèves, voire même qui ne connaissent pas les confs ISUP qui sont organisées par l'AE, j'ai voilà, une petite slide de présentation de l'association. Donc, où je vous ai remis eh bien, finalement l'adresse du site web de l'association, sachant que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Alors, l'AEISUP, hein, finalement, ses rôles, c'est assez standard pour une association d'anciens élèves, mais c'est vrai quand même de se rappeler. Donc, c'est évidemment de promouvoir l'Institut eh bien, dans le panorama de toutes les entreprises qui utilisent les. C'est évidemment de créer une entraide entre les étudiants qui sont aujourd'hui à l'ISUP et puis les anciens qui sont passés par là et donc voilà, qui peuvent éventuellement aider ou appuyer les étudiants au cours de leur scolarité. C'est aussi hein, évidemment l'AE, un réseau d'anciens, donc c'est un vecteur important pour l'insertion, pour la recherche d'emploi pour les jeunes diplômés et puis ensuite plus tard dans le cadre d'une évolution, d'une recherche d'évolution professionnelle. Et puis, voilà, c'est aussi hein, donc évidemment élargir les connaissances de ses membres, donc les confs ISUP en font partie de cet objectif-là, et puis plus globalement, essayer de promouvoir l'utilisation et l'enseignement de la statistique. Donc en termes d'activité, hein, voilà, donc on a régulièrement des échanges avec les étudiants, donc typiquement chaque année, alors bon, évidemment, le contexte sanitaire actuel fait que ça n'a pas été forcément évident sur l'année 2020 et courant d'année 2021, on croise les doigts pour que ça s'améliore, mais ça, malheureusement, ça risque d'être encore un peu délicat. En tout cas, on a voilà, des échanges réguliers avec les étudiants et en début d'année, on fait généralement un amphithéâtre de rentrée où on vient avec le président de l'AE. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, là, ma petite souris sur le transparent, pas du tout, j'imagine. Mais donc, du coup, la photo du haut, voilà, vous avez tout à droite. Donc le président de l'association, et donc on vient présenter devant les étudiants qui viennent d'arriver à l'Institut, on vient, voilà, on vient présenter finalement l'Institut, et puis c'est, enfin l'Institut, et puis surtout, pardon, ses activités. Ah, là on voit quelqu'un d'autre. Pas du tout. Je crois que la présentation a sauté, Emmanuel. Ok, du coup, je remplace, je recharge la présentation. Et puis par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est couper tout le monde, les actions de tout le monde, pour pouvoir éviter ce genre de désagrément. Ah, c'est peut-être moi, en fait. Parce Oui, que c'est possible. Donc je désactive tous les micros. Ouais, merci. Hop là. Éventuellement. Donc du coup, pardon, excusez-moi. Donc voilà, différentes activités. Donc les échanges avec les étudiants, les confisup, hein, donc qui sont finalement des présentations techniques, comme celle de ce soir. On essaie, si possible, de faire intervenir des anciens de l'ISUP, des choses à présenter et à faire partager. Donc là, avec une connotation très technique, donc à destination à la fois des étudiants de l'ISUP, mais également des anciens de l'Institut.
Autre événement organisé par l'association, donc c'est le Forum emploi de l'ISUP, qui se tient annuellement. Voilà, qui cette année, normalement, sauf erreur de ma part, hein, Louis et Suzanne n'hésitent pas à réagir si besoin, mais donc aura lieu le 30 novembre prochain. Et donc, au cours duquel il y a aussi l'attribution du prix Georges Darmois, hein, donc, qui est décerné au meilleur mémoire de troisième année. On organise aussi depuis quelques années des cérémonies de remise des diplômes, donc dans des lieux prestigieux, donc vers juin. Et puis voilà, là en ce moment, le gros sujet d'actualité pour l'association, c'est évidemment la préparation de l'événement qui viendra fêter les 100 ans de l'ISUP en 2022, donc avec le bureau de l'association. On est en train de réfléchir voilà, à quelle forme pourrait prendre ce bel événement. Donc voilà en tout cas, voilà, très rapidement, un peu la présentation de l'association. Finalement, les confisup, en quoi ça consiste. Et du coup, bah, sauf si vous avez des questions, je vous propose voilà, de revenir sur le contenu technique de cette intervention, de cette confisup. Donc du coup, ce que je vous propose en mode d'organisation, c'est effectivement peut-être qu'on laisse les questions à la fin. Donc j'ai numéroté les différents transparents, donc vous pourrez vous y référer dans la partie de questions-réponses. Et puis on peut peut-être éviter voilà, éventuellement que tout le monde mette son micro en mute et puis ferme éventuellement les caméras pour éviter des soucis éventuels de réseau. Et puis comme ça, je pourrais dérouler la présentation dans son intégralité sans trop de difficultés a priori. Et puis ensuite, je vous retrouve à la fin voilà, avec le jeu des questions-réponses si ça vous va. Alors, juste aussi, j'ai oublié de le préciser, hein, donc ça faisait quelque temps que nous n'avions pas finalement organisé de confisup au sein de l'AE. Je pense que la dernière date d'il y a plusieurs années, alors pour différentes raisons, en particulier par manque de participation. Donc là, je suis évidemment très très content de constater qu'on a plus d'une cinquantaine de participants. C'est un super, super succès. Donc j'espère que bah, cette présentation vous intéressera. Et puis surtout, hein, l'idée aussi, c'est qu'on voit, en particulier dans la perspective des 100 ans de l'ISUP, on essaie de renouveler un petit peu, redonner du souffle à ces confisup. Donc là aussi, si ça vous plaît, si vous avez des idées de présentation, de choses que vous pourriez venir exposer et partager avec les étudiants de l'ISUB, avec des anciens de l'ISUB, bah surtout n'hésitez pas. Donc vous pouvez me contacter, vous pouvez aussi contacter l'AE ISUB pour bah voilà, nous soumettre des suggestions et puis on organisera ça. Donc voilà, donc l'idée hein, c'est de relancer un petit peu la machine sur ces confisup en espérant que ce sera un. Du coup, eh bien voilà, je vous propose qu'on attaque sur le sujet à proprement dit. Donc voilà, donc ce qu'on appelle le déséquilibre des classes en apprentissage automatique. Donc c'est un travail que j'ai réalisé en interne d'EDF Recherche et Développement, donc avec trois collègues, Vanessa Vergès, Émilie Dautrem et Bruna Martin-Gabanas. Donc pour être très transparent avec vous, il va y avoir rien de forcément très très innovant. Dans ce que je vais vous présenter, c'est plutôt finalement une revue ou un état de l'art de ce qui existe comme méthode pour essayer de contourner le problème de déséquilibre des classes. Donc en termes de structure de l'exposé, hein, ce sera du standard. Voilà, je vais introduire ce que c'est que le déséquilibre des classes. Je préciserai évidemment pourquoi c'est gênant, pourquoi c'est un problème en pratique. Et puis ensuite, j'essaierai de vous présenter de la façon la plus claire possible bah, différentes approches qui existent dans la littérature, donc qui permettent de résoudre plus ou moins efficacement cette problématique de déséquilibre des classes. Donc vous verrez, hein, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pédagogique, j'espère que ce sera clair. Du coup, là, on a encore des petits soucis techniques. Vous voyez de nouveau, donc Ibrahima a pris la main, j'ai l'impression. Vous voyez mon écran? Non, on ne voit pas, ça a coupé. Donc je repars. Hop là. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire assez simple avec très peu d'équations et donc plutôt quelque chose d'assez pédagogique, pragmatique, en espérant que ça le. Ce soit convaincant. Du coup, voilà, alors qu'est-ce que le déséquilibre des classes, hein? Donc le contexte est finalement celui de la classification supervisée en apprentissage automatique. Donc globalement, ces techniques visent à partir d'un ensemble de données qui sont étiquetées, à apprendre comment certaines variables d'entrée
peuvent influencer une variable de sortie, donc variable de sortie cible qui va être dans notre cas, hein, donc catégorielle, puisqu'on fait de la classification, et donc une variable qui va prendre un nombre fini de modalités qui sont connues. Donc dans mon contexte applicatif à moi, hein, quand je fais de la fiabilité, je cherche par exemple à prévoir si le matériel va être défaillant ou au contraire s'il ne va pas subir d'avarie ou de défaillance. Donc voilà, je me retrouve assez régulièrement dans ce contexte applicatif-là où je suis amené à faire de la classification. De façon plus générale, hein, on va appeler classe positive finalement la classe voilà, qui va être la classe d'intérêt, celle qui va nous intéresser tout particulièrement, et puis classe négative, celle voilà, qui est, de par le reste du monde, celle qui est moins prioritaire en termes de classification. Donc voilà ce que c'est que la classification supervisée. Alors on dit qu'on est en présence de déséquilibre des classes lorsque au moins une des catégories ou une des modalités de la variable de sortie qu'on va chercher à modéliser est présente en faible proportion dans l'ensemble des données. Relativement aux autres. Alors, du coup, les raisons possibles de ce déséquilibre, il y en a majoritairement deux, il y en a d'autres, mais les deux principales, c'est finalement la nature du phénomène étudié. Donc, très souvent, hein, la catégorie minoritaire, qui est peu présente dans la base de données considérée, eh bien, est associée à un événement rare. Donc, intrinsèquement, les données, la nature du phénomène qu'on cherche à modéliser font que on a ce déséquilibre qui se retrouve forcément dans les données qu'on manipule et qu'on va chercher à modéliser. Deuxième cause possible de ce déséquilibre des classes, c'est finalement que parfois, pour acquérir ou pour obtenir les données au sein de la base de données ou au sein de l'échantillon, eh bien, il faut faire des essais en laboratoire, des essais mécaniques, des essais sur banc d'essais. Et donc, du coup, il y a derrière un effort important pour acquérir, voire même parfois pour stocker les données, et en particulier les données de la classe minoritaire. Et donc, on a à disposition très peu d'essais, parce que chacune des expérimentations est particulièrement coûteuse. Et donc, de facto, on a un échantillon qui va présenter peu d'éléments de la classe minoritaire. Donc, en pratique, c'est finalement un contexte ou un cadre dans lequel on se retrouve assez couramment. Donc là, je vous mets quelques exemples, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et donc, sur des cas d'application très, 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 très variés. Donc, en particulier, dans mon contexte à moi, la fiabilité des matériels, quand on cherche à faire de la détection précoce d'anomalies sur un équipement industriel, on est heureusement confronté à subir assez peu d'avaries. Donc, l'événement qui m'intéresse, matériel défaillant, eh bien, finalement, on va être très peu représenté dans ma base de données. Pareil, quand on s'intéresse à des fraudes bancaires, hein, ce sont généralement des événements assez rares. Et donc, la catégorie attention client suspicieux pour lequel on pense qu'il y a une fraude, eh bien, c'est une modalité qui, finalement, est assez peu représentée. Idem dans le milieu du diagnostic médical ou dans le domaine de l'actuariat. Donc on a évidemment, on est souvent amené à être confronté à cette problématique de déséquilibre des classes. Et donc vous voyez bien, j'espère, au travers des quelques illustrations concrètes que je vous ai données, que c'est un sujet important, parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse souvent, c'est cette classe minoritaire, et on cherche à bien la prédire, bien la modéliser, et à ce que nos modèles de classification soient en mesure de bien les reproduire. Donc du coup, une des difficultés, pourquoi est-ce finalement un problème ? Eh bien parce que si on n'y prend pas attention, globalement, on peut dire quand même que les algorithmes standards, donc là je vous en liste quelques-uns, donc on peut mentionner la régression logistique, les arbres de classification, les SVM, donc les machines à vecteurs de support ou les réseaux de neurones, par défaut, ils sont paramétrés ou ils sont configurés pour finalement ne pas apprendre de façon optimale la catégorie minoritaire, qui est bien souvent ce qui nous intéresse. Généralement, en effet, ces algorithmes cherchent à maximiser ce qu'on appelle le taux de bon classement, donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un critère, c'est un indicateur qui ne va pas faire le distinguo finalement entre classe minoritaire et classe majoritaire, et donc tous ces algorithmes vont par défaut avoir tendance à biaiser naturellement l'entraînement de leur algorithme, de leur paramètres internes, en faveur finalement des classes majoritaires. Donc, pour illustrer ça de façon peut-être un peu plus concrète, si je prends un exemple alors tout à fait fictif et un peu caricatural, mais donc qui permet d'illustrer ces choses-là. Donc si on imagine qu'on a une base de données, et donc que dans cette base de données, dans cet ensemble de données, on a seulement 1% des cas
qui font partie de la classe minoritaire, et puis 99% des cas qui font partie de la classe majoritaire. Eh bien, si je définis un modèle qui est ultra simple, qui est très, très, très standard, qui consiste là, finalement à l'algorithme qui consiste à attribuer par défaut le tag classe majoritaire à l'ensemble des données, eh bien, je vais obtenir un taux de bon classement global de 99%. Finalement, donc, c'est plutôt en termes de performance, c'est plutôt un algorithme qui se comporte bien. Par contre, qui en pratique n'a que très peu d'utilité, puisque bah, voilà, par défaut, il ne va pas chercher du tout à comprendre ce qui caractérise la classe minoritaire, de ce qui caractérise la classe majoritaire. Il va affecter forcément les éléments à la classe majoritaire, et donc il n'a finalement aucun intérêt pratique, puisqu'il ne parvient pas du tout à modéliser la classe minoritaire, bien que globalement, il ait une bonne performance. Donc on voit sur cet exemple simple que bah, finalement, voilà, il faut faire attention au paramétrage des algorithmes, et donc ce déséquilibre des classes va naturellement, si on n'y prend pas garde, favoriser la classe majoritaire, et ce qui peut être gênant dans les applications concrètes des algorithmes de donc du coup, pour vous imaginez bien, donc pour contourner ce problème-là, il y a énormément de littérature, de choses qui existent dans la bibliographie. Donc là, j'essaie de vous en dresser un panorama, alors de façon évidemment tout à fait synthétique, mais en tout cas de vous donner un peu un aperçu global de différentes stratégies qui existent, sachant qu'après, voilà, je vous en présenterai quelques-unes un peu plus en détail. Voilà. Donc en tout cas, globalement. On distingue, j'espère que vous voyez bien sur les transparents, donc deux grands types d'approches, donc celles qu'on qualifie de data level, ou qui sont externes, et puis celles de algorithm level, donc celles qui sont plutôt internes aux algorithmes. Donc la première famille d'approches va finalement viser, ou en tout cas va être amenée à modifier en fait la nature de la base de données, pour finalement, par différents processus, donc je vous en dirai quelques-uns tout à l'heure, en gros, on va venir modifier, avant même l'algorithme, on va venir modifier la base de données, de sorte à ce que, bah, après ce traitement-là, elle va être beaucoup plus équilibrée. Et donc, bah, on l'espère que quand on pourra construire l'algorithme sur cette base qui aura été rééquilibrée, eh bien, l'algorithme de classification fournira des meilleurs résultats en termes de prédiction. Donc ça, c'est la première grande famille d'approches, qui vont vraiment voilà, venir modifier la base d'apprentissage, la base de données globale, pour la rééquilibrer. Par opposition donc, à la deuxième famille, où là, vous allez venir modifier, vous allez venir voilà, changer le comportement, le paramétrage, ou la manière de vous pouvez même construire des approches spécifiques. Donc là, on se place vraiment au niveau des algorithmes, des méthodes de classification, et on ne touche pas du tout à la base de données en entrée. On est voilà, au niveau d'algorithme, donc on rentre évidemment un peu plus dans le détail. Donc dans le cadre d'ailleurs de cette présentation, hein, je vais surtout accentuer, vous le verrez, sur les approches data level qui sont quelque part alors, peut-être un petit peu moins efficaces, même si voilà, c'est difficile de dire ça, mais en tout cas voilà, qui ne nécessitent pas quelque part de connaître précisément le fonctionnement des algorithmes, qui pour un utilisateur qui n'est pas forcément averti est plutôt, voilà, plutôt plus facile à manipuler que les approches de type interne qui là nécessitent de très bien connaître le fonctionnement de l'algorithme pour pouvoir le modifier et qui gère un peu mieux le déséquilibre des classes. Donc au sein de ces deux grandes familles, vous avez évidemment des sous-familles. Donc si on regarde côté gauche, hein, côté approche externe, alors vous avez toutes les techniques évidemment de réduction de dimension. Alors, soit par extraction, soit par sélection de caractéristiques ou de features, comme on dit. Donc là, l'idée, hein, c'est toujours pareil, c'est d'essayer finalement de réduire la dimension du problème en créant des variables synthétiques ou en ne sélectionnant que les principales pour finalement réduire la dimension du problème et donc se situer dans un espace qui est de plus petite dimensionnalité. Et donc, bah voilà, espérer que les algorithmes de classification arriveront à plus facilement à mieux saisir ce qui caractérise la classe minoritaire. Et puis la deuxième sous-grande famille, c'est les techniques d'échantillonnage. Donc qui là vont venir bah, modifier la nature de la base de données, donc en venant générer ou supprimer des données de la base de données initiale pour bah, apporter un rééquilibre entre classe minoritaire et classe majoritaire. Et puis donc au niveau maintenant si on passe côté droit, côté des techniques internes,
Donc là, voilà, il y a différentes stratégies qui ont été mises en place. Donc tout ce qui est apprentissage sensible au coût. Donc là, on va donner quelque part des pénalités à l'algorithme pour que il se force quelque part à mieux apprendre la classe minoritaire. Donc là, j'y reviendrai dans quelques instants. Et aussi tout ce qui est apprentissage ensembliste, où là, on va essayer de fusionner des résultats issus de différents algorithmes et essayer de faire apprendre les algorithmes de façon un peu itérative pour qu'ils apprennent de façon plus précise la classe minoritaire. Vous avez aussi, évidemment, tout ce qui est choix de critères de performance. Donc, il y a quelques instants, hein, j'ai évoqué le taux de bon classement. Donc, c'est un indicateur qui permet d'ajuster les paramètres des algorithmes, mais il y en a d'autres qui permettent de prendre en compte les caractéristiques, en particulier le fait qu'il y a un déséquilibre dans les classes. Donc, j'y reviendrai également. Et puis, vous avez aussi toutes les approches basées sur une classe. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on va complètement oublier la classe minoritaire, puisqu'elle est assez peu représentée. Et donc, on va se concentrer pour modéliser très précisément la classe majoritaire. Et puis, on va considérer finalement la classe minoritaire comme des outliers. Et donc, l'idée, c'est de se dire que si on a bien appris la classe majoritaire, eh bien, on sera capable de détecter assez précisément la classe minoritaire. Et donc, quelque part, l'objectif sera bien appris. Donc, voilà les grandes sous-familles. Alors après, je vais pas rentrer plus dans le détail. On peut évidemment aller un peu plus loin dans le thème de raffinement. Donc, en particulier, dans les échantillonnages, on peut sous-échantillonner, c'est-à-dire supprimer des points de la catégorie majoritaire. On peut sur-échantillonner, donc là, générer des points. On va le voir tout à l'heure dans une des approches que je vais présenter. On peut générer des points synthétiques de la classe minoritaire pour rééquilibrer les choses. On peut évidemment mélanger les deux stratégies sous et sur échantillonnage. Sur les apprentissages sensibles au coût, il y a différentes stratégies. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail. Et puis également, tout ce qui concerne la classification d'une classe, aussi, il y a énormément de sous-familles qui existent. Bon, je n'aurai pas le temps, évidemment, dans le cadre de cette présentation, de rentrer dans le détail. Vous verrez, donc, en fin de présentation, j'ai mis quelques références biblio, si c'est un sujet qui vous intéresse. Sachant, évidemment, je reste à votre disposition pour échanger tout ce qu'il y a besoin. Donc, voilà, je pense, alors, il y a encore des sous-familles, mais donc, globalement, alors, il y a possiblement, il y a peut-être des trous dans la raquette, hein, j'espère qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas trop, mais en tout cas, globalement, les différentes stratégies qui existent dans la littérature. Et là, l'idée que je vous fais, c'est que je vais vous présenter un peu plus en détail certaines de ces approches qui... Donc, je vais d'abord donc commencer par la partie de gauche, hein, donc vraiment les approches data level, donc qui vont venir modifier, je vous le rappelle, la base de données en entrée des algorithmes de classification. Donc, une technique de sous-échantillonnage classique, c'est la technique basée sur les Tomek links. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Tomek links? Donc, vous voyez, alors ici, vous le verrez dans chacune des planches, j'ai essayé d'avoir une représentation un peu graphique, simplifiée, donc en dimension 2. Et puis dans laquelle j'ai gardé systématiquement le code couleur. Donc j'ai bien représenté par des ronds orange, donc finalement les points de la classe minoritaire, généralement la classe d'intérêt qu'on cherche à prédire de façon efficace. Et puis j'ai mis donc en carré bleu la classe majoritaire, donc qui est évidemment surreprésentée. Donc là, je suis en dimension 2, et donc j'ai bien deux entrées, et puis vous avez la sortie qui vous dit classe majoritaire ou classe minoritaire en fonction de la couleur ou de la forme du point. Donc voilà, finalement, qu'est-ce qu'on appelle des Tomek links? Ce sont finalement donc des points qui appartiennent à des classes différentes. Donc ici, j'ai oublié de le préciser, je fais bien, je considère que je n'ai que deux classes. Donc potentiellement, dans les applications, je peux avoir plusieurs modalités pour ma variable de sortie. Je cherche à prévoir. Bon, là, dans le cadre de cette intervention, je me focalise sur le fait qu'il n'y a que deux modalités possibles, majoritaire ou minoritaire, pour ma variable de sortie. Donc, des Tomek links, ce sont finalement deux points qui appartiennent à une classe différente, une majoritaire et une minoritaire, et puis qui sont les plus proches voisins au sens de la métrique qu'on a pu définir sur notre espace d'intérêt. Donc, typiquement, là, une métrique de type Euclide, si on est dans du R carré. Et donc, vous voyez bien, ici, là, j'ai tracé en violet des Tomek links. Donc, ce sont bien des points de couleurs différentes, puisqu'ils appartiennent à une classe différente, et puis qui sont les plus proches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres points dans l'espace qui soient plus proches de cela. Et donc, une fois qu'on a identifié ces Tomek links, une stratégie possible, c'est de sous-échantillonner la base, c'est-à-dire finalement de supprimer, alors je ne sais pas si vous voyez la petite animation, mais donc de supprimer les points de la classe majoritaire, les points bleus,
pour bah, quelque part diminuer le nombre de points bleus et puis sur évaluer finalement sur avoir un nombre plus important de points orange, donc de la classe minoritaire. Et voilà, donc c'est une stratégie possible que d'utiliser ces Tomex Links. Donc vous voyez bien ici, quelque part sur cet exemple-là, on voit bien un intérêt de cette approche-là, c'est que ça permet quelque part de mieux séparer la frontière qui sépare le domaine rouge du domaine bleu. Et donc, voilà, en séparant de façon peut-être un peu plus claire là où se situent les deux classes, eh bien, l'algorithme de cette classification sera peut-être plus à même. Alors, il n'y a aucune garantie, évidemment. En tout cas, voilà, on se place dans des conditions qui sont a priori plus satisfaisantes pour que, après, quand l'algorithme de classification qu'on va lancer sur cette base de données, eh bien, fonctionne mieux et soit capable de mieux comprendre, mieux prévoir les points de la classe minoritaire, donc les points orange. Donc voilà une des premières stratégies, donc il y a vraiment une technique de sous-échantillonnage qui est basée sur cette notion de Tomex Links. Donc, il en existe d'autres, mais en tout cas, non, voilà, ce soir, je me limite à cette technique-là. Autre technique, donc toujours de type data level, donc on vient modifier la base de données d'entrée. Donc là maintenant du suréchantillonnage. Et donc la méthode vraiment standard, c'est vraiment la technique SMOT pour Synthetic Minority Oversampling Technique. Donc ça, c'est une technique qui existe depuis 15-20 ans, pour laquelle il y a eu énormément de développement méthodologique. Hein. Alors il y a eu un papier en 2018 pour fêter les 20 ans ou les 15 ans, je ne sais plus exactement, de cette approche-là. Et donc, ils avaient recensé 85 variantes de cette approche-là, donc sur lesquelles il y a eu énormément de littérature. Alors, en tout cas, là, je vous présente juste la méthode de base, hein, chacun, sachant qu'il y a beaucoup de variantes. Donc, hein, l'idée, c'est toujours pareil, on repart de la base de données initiale, et là, l'idée, c'est qu'on va essayer de générer des points synthétiques, donc des points de la classe minoritaire, pour là aussi essayer de rééquilibrer les effectifs entre minoritaires et majoritaires. Donc comment procède cette technique SMOT? En gros, ben voilà, on va choisir aléatoirement, tirer aléatoirement un point de la classe minoritaire. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est finalement le point vert, là. Donc j'ai choisi un point jaune, un point orange, pardon, aléatoirement, et voilà, ça il va être la première étape de mon algorithme. Ensuite, donc, une fois que j'ai pioché aléatoirement ce point orange, donc ici mon point vert, je vais bah, finalement regarder quels sont ces cas plus proches voisins qui appartiennent également à la classe minoritaire. Vous voyez ici, j'ai pris K égale 5 et donc j'identifie quels sont les 5 plus proches voisins du point vert qui font partie de la classe minoritaire, donc qui sont des points orange. Donc, je les ai ici symbolisés par le rouge. Ensuite, autre étape de l'algorithme, eh bien, je vais bah, finalement... je ne sais pas si ça paraît bien, il manque un petit tiret, mais en gros, voilà, je vais relier finalement mon point avec les autres points, donc je trace finalement les segments qui séparent le point vert avec les autres points rouges, et puis ensuite je vais sélectionner, tirer aléatoirement certains de ces segments, et puis au sein de ce segment large, donc je vais générer aléatoirement un point sur le segment, enfin, un point que je vais considérer être de la classe minoritaire, et je vais voilà, le positionner finalement comme un intermédiaire entre deux points qui sont assez proches dans la classe minoritaire. Et donc du coup, bah, je peux itérer cette procédure-là, et donc voilà, je peux là aussi générer un deuxième point, et puis bah, du coup, je peux itérer la procédure, donc choisir un point vert, regarder ses 5 plus proches voisins, ensuite voilà, générer aléatoirement des nouveaux points sur les segments qui séparent le point vert et de ses plus proches voisins, et ainsi de suite. Et donc du coup, bah, comme ça, je vais venir peupler la classe minoritaire orange par des nouveaux points de la même catégorie minoritaire qui ont des caractéristiques proches finalement des points qui existent déjà dans la base de données. Donc c'est vraiment une technique de suréchantillonnage et donc qui est voilà, assez populaire. Vous voyez ici le résultat, donc on voit bien qu'on passe, voilà, on a massivement peuplé la partie orange. Alors, une des difficultés qu'on entrevoit ici, c'est que bah, finalement, en faisant ça, on a complètement oublié la position dans l'espace hein, des points bleus. Donc, vous voyez ici, j'ai généré un nouveau point orange qui est juste à côté d'un point bleu, donc il y a une superposition. Alors ça, c'est pas forcément ce qui est idéal pour voilà, des algorithmes de machine learning pour qu'on puisse
correctement comprendre quelles sont les différences entre les oranges et les bleus. Donc ça, c'est voilà, typiquement une des difficultés de ce mode, c'est qu'on tire un peu partout sans forcément se préoccuper de la classe majoritaire. De même, on peut très bien être amené à tirer des nouveaux points dans des zones de l'espace qui ne nous intéressent pas forcément, qui sont déjà massivement peuplées par la population minoritaire. Et donc finalement, rajouter des points dans cette zone de l'espace-là n'était pas fondamental et en tout cas ne va pas apporter d'informations à l'algorithme. Donc on voit qu'il y a des choses à raffiner. Et donc je vous ai dit, ça a fait l'objet de nombreuses variantes de cet algorithme-là. Donc, je vous ai présenté juste la technique de base. Voilà pour ce que je pense que je voulais en dire pour cette technique-là. Donc maintenant, je vais passer. Donc il y a voilà, beaucoup d'autres approches de type data level pour venir modifier la base de données initiale. Mais bon, maintenant, je passe voilà, plutôt aux approches qui vont venir modifier, j'ai envie de dire intrinsèquement, les algorithmes de classification pour qu'ils soient plus à même de déceler, de détecter, de prévoir les classes minoritaires. Donc voilà, donc une approche assez classique, c'est de bah, finalement utiliser une métrique ou des critères de performance qui soient adaptés au déséquilibre des classes. Donc en classification binaire, donc quand on a deux classes disponibles dans les données et qu'on cherche à prévoir, on s'appuie généralement sur la matrice de confusion, qui est cette matrice-là. Donc vous avez en ligne, vous avez bah, finalement les catégories, les données telles qu'elles se présentent dans la base de données. Et puis, vous avez en colonne les catégories telles qu'elles sont prévues. Une fois que vous avez appris le modèle, l'algorithme, vous avez bah, la prévision associée à chacun des points d'apprentissage. Et donc, vous êtes capable bah, finalement de voir si votre algorithme a été capable d'identifier correctement les points de la classe minoritaire. Donc ça, c'est les vrais positifs. Donc les points de la classe minoritaire ou de la classe positive qui ont été bien, qui sont dans la vraie vie minoritaire et qui sont bien détectés ou prédits minoritaires par l'algorithme. A contrario, vous avez aussi les points de la classe majoritaire pardon, qui sont correctement décelés majoritaires par l'algorithme. Donc ça, c'est les cas de bonne prédiction. Et puis, bah, vous avez tous les cas où malheureusement, l'algorithme va se tromper. Donc vous avez des faux négatifs où vous prévoyez bah, finalement que un point sera de la classe majoritaire alors qu'en fait, il appartient à la classe minoritaire. Et puis l'inverse, votre algorithme qui prévoit que vous êtes de la classe minoritaire alors qu'en fait, vous êtes majoritaire. Les faux positifs. Donc voilà. Donc, sur cette matrice de confusion, hein, généralement, l'indicateur qu'on utilise pour déjà qualifier la performance de l'algorithme, voire même pour bah, apprendre le modèle, on s'appuie généralement sur ce qu'on appelle le taux de bon classement, l'accuracy en anglais. Et donc, c'est bah, finalement un indicateur qui est d'autant plus proche de 1 ou de 100% que l'algorithme classe correctement les données, mais correctement les données, quelle que soit leur catégorie d'origine. Vous voyez ici, je vous ai mis la formule du taux de bon classement. Donc, c'est bien les vrais positifs plus les vrais négatifs. Donc, finalement, tous les cas où l'algorithme prévoit bien la bonne modalité, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, sur le nombre total de cas. Et donc, du coup, ça vous donne bien une image finalement de la performance globale de l'algorithme. Mais on ne fait pas du tout de distinguo entre classe minoritaire et classe majoritaire. Et donc, du coup, comme on n'a pas cette distinction-là, bah voilà, par défaut, comme la classe majoritaire est plus représentée, eh bien, si l'algorithme est performant sur la classe majoritaire, eh bien, on va avoir un bon taux de beau classement, c'est cet exemple que je vous donnais au début, mais ce qui n'est peut-être pas forcément pertinent, parce que moi, souvent, je passe plutôt à identifier correctement la classe minoritaire. Donc, du coup, il faut peut-être changer de métrique ou de critère de performance. Donc, là aussi, il existe toute une littérature sur ce thème-là. Moi, voilà, le critère standard hein, sur lequel on s'appuie souvent, c'est l'air sous la courbe sensibilité-spécificité. Donc en anglais, on appelle ça l'AUC, donc l'Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve. Donc en gros, hein, pour définir cette courbe-là et ce critère-là, il faut d'abord que j'introduise qu'est-ce que c'est que la sensibilité et qu'est-ce que c'est que la spécificité. Donc la sensibilité, en fait, hein, c'est le taux de vrai positif. Donc c'est un critère qui est d'autant plus proche de 100%. L'algorithme va classer correctement les données de la classe minoritaire. Donc, c'est les vrais positifs divisés par les vrais positifs plus les faux négatifs. Et à l'inverse, donc la spécificité, c'est le taux de vrais négatifs. Donc, il est d'autant plus proche de 1, de 100%, que l'algorithme classe correctement les données de la classe majoritaire. Donc, c'est les vrais négatifs sur les faux positifs plus les vrais négatifs.
Donc on voit bien que finalement, en s'appuyant sur ces deux critères, sensibilité et spécificité, qui sont relatifs à l'une des deux catégories, ils ne mélangent pas les deux catégories, eh bien on va pouvoir aller un petit peu plus finement dans l'évaluation des performances du modèle, et en particulier dans la performance vis-à-vis de la classe minoritaire. Donc du coup, voilà, une approche possible, c'est de tracer cette courbe-là. Donc, vous voyez ici, sur l'axe horizontal, vous avez 1 moins la spécificité. Donc c'est finalement le taux de faux positifs. Et puis vous avez sur l'axe vertical la sensibilité, donc qui est le taux de vrai positif. Donc là aussi, j'ai essayé d'imager au maximum les choses. Donc je vais vous présenter quelques points. Donc ici, vous avez le point 0%, 0%. Donc ça, c'est typiquement les performances de l'algorithme qui est un peu bête, mais qui va attribuer systématiquement la classe majoritaire à tous les points de la base de données. Donc cet algorithme-là, eh bien lui, forcément, il ne va jamais se tromper pour prévoir les points de la classe majoritaire. Donc il aura finalement une spécificité, donc il aura une bonne spécificité. Par contre, 1 moins la spécificité, donc forcément, elle sera proche de 0. Et puis, comme il est incapable de prévoir les points de la classe minoritaire, il a bien une sensibilité qui vaut 0. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien les performances dans le repère 1 moins spécificité et sensibilité de l'algorithme qui, forcément, attribue systématiquement à n'importe quel point la classe majoritaire. Vous avez ici à l'opposé l'algorithme qui va affecter systématiquement la classe minoritaire. Là, forcément, vous allez bien prévoir tous les points de la classe minoritaire, donc vous aurez une excellente sensibilité, 100%. Et puis, par contre, vous aurez une spécificité qui, elle, sera très mauvaise, et donc vous aurez 1 moins une spécificité qui sera très bonne. Donc ça, c'est bien la position du point de l'algorithme associé à l'algorithme qui va prévoir que la classe minoritaire. Ici, là, quelque part au milieu de ce graphe, vous avez l'algorithme qui va faire plouf-plouf, qui va affecter aléatoirement soit l'une, soit l'autre des classes, et donc qui va avoir un peu un comportement ou une performance moyenne. 50% 1 moins spécificité, et puis 50% sensibilité. Et puis, vous me voyez venir avec mes gros sabots. En fait, si on s'intéresse à quelque part à l'air sur la courbe 0, 100% et puis qui passe par le point, là ici, j'ai bien couvert la moitié de mon carré. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'AUC. Et donc ici, qui vaut la moitié, qui vaut 50%. Et donc, on commence à pointer comment est construit cet indicateur qui, quelque part, me donne un peu des performances de prévision de la classe minoritaire et de la classe. Ici, là, je vous ai tracé donc le point c'est l'algorithme idéal. C'est celui qui ne se trompe pas, à la fois ni sur la classe minoritaire, ni sur la classe majoritaire. Et donc lui, si on regarde son R sous la courbe qui passe par le carré rouge, eh bien lui, il va avoir une AUC de 100%. Il va couvrir l'intégralité du domaine. Et donc lui, on va l'associer à une AUC de 100%. Et donc, vous voyez bien que finalement, quand j'aurai un algorithme, il aura une certaine performance, donc il aura une certaine spécificité, une certaine sensibilité, et puis on sera capable de calculer l'air sous sa courbe qui passe par le point 0% et puis 100%, et puis ce point-là, et donc l'air grise là, sous la courbe, c'est son AUC, et donc plus il sera important, et plus il va attendre finalement sur les performances de l'algorithme idéal qui classe bien tous les points, de la classe minoritaire et majoritaire. Et donc ça, c'est bien un critère de performance qui peut être utilisé finalement pour apprendre le modèle plutôt que le taux de bon classement qui lui ne fait pas du tout le distinguo entre les deux classes et donc va être biaisé par le déséquilibre des classes. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair sur la présentation de cet indicateur-là, qui peut être utilisé, dans la littérature. Autre approche de type algorithm level, donc les apprentissages sensibles au coût. L'idée, c'est qu'on va venir finalement augmenter un petit peu le poids de la classe minoritaire dans l'apprentissage du modèle, dans son entraînement, pour qu'on force finalement l'algorithme à ce qu'il apprenne de façon plus précise la classe minoritaire. Donc c'est bien ça, on introduit un facteur de pénalité dans la procédure d'entraînement
pour voilà, que les choses se passent mieux au niveau de l'apprentissage du modèle. Donc typiquement, voilà, je vous ai remis un exemple fictif de matrice de coût, donc qui s'appuie un peu hein, sur la matrice de confusion que je vous ai présentée. Hein, mais donc on imagine qu'on a sur une donnée voilà, pour un matériel défaillant, classe minoritaire, et puis je vais donner un reward, un gain à l'algorithme. Je lui dis, bah, je te donne 50 euros si tu es capable de prédire correctement un point défaillant. Je vais également te donner 20 euros si tu es capable de prédire correctement un point de la classe majoritaire, un point sens. Hein, eh bien, je vais te donner 20 euros. Et puis, à contrario, je vais te pénaliser. Je vais te faire perdre de l'argent si tu n'es pas capable de bien prédire un point. Et puis, je vais également introduire une dissymétrie. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais bon, lui faire perdre un petit peu d'argent si il prédit finalement défaillant un matériel qui est sain, parce qu'effectivement, c'est voilà, c'est quand même plus c'est un problème de mal prédire qu'un matériel est sain. Par contre, vaut mieux qu'il soit sain plutôt que défaillant. Donc, on préfère toujours, hein, par souci de conservatisme, annoncer que quelque chose est défaillant alors qu'en fait, il est sain. Donc, je vais quand même pénaliser l'algorithme de moins 30 euros. Par contre, je vais le pénaliser de façon encore plus forte s'il n'est pas capable de détecter un matériel défaillant, donc un point de la classe minoritaire. Et donc là, je vais lui faire perdre 100 euros qui, s'il prévoit finalement un point de la classe minoritaire et qu'il lui affecte la modalité de la classe. Donc voilà. Donc en utilisant cette dissymétrie qui n'existe pas dans la matrice de confusion, et donc en rajoutant ces coûts ou ces poids, eh bien, finalement, voilà, quand on va demander à l'algorithme d'apprendre à retrouver les différentes classes, eh bien, ça va le forcer quelque part à mieux apprendre ce qui se passe au niveau du matériel défaillant, de la classe minoritaire, et donc ça permet de contourner le problème de déséquilibre des classes. Autre approche de type externe, pardon, interne, donc voilà, l'apprentissage à une classe. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure un peu en introduction, là l'idée c'est de se dire que ben, finalement j'ai beaucoup d'informations sur la classe majoritaire, donc je vais quelque part négliger la catégorie ou la classe minoritaire, je vais me concentrer sur l'apprentissage de la classe majoritaire, et puis je verrai les points de la classe minoritaire comme des points aberrants, points atypiques, des outliers, sont dit en anglais, de la classe majoritaire. Donc là, l'idée, hein, j'ai essayé de représenter ça là encore visuellement de façon assez simple. Donc on imagine qu'on n'a que des points de la classe majoritaire. Donc là, je me suis placé dans un cas à une dimension. Hein, donc on imagine que je peux tracer ça sur un axe. Donc ensuite, bah, je vais essayer de caler une distribution sur ces points, donc là une distribution en indé, sur tous les points appartenant à la classe majoritaire. Donc comme j'ai beaucoup de points de la classe majoritaire, ben, je suis capable d'apprendre correctement bien cette distribution, enfin en tout cas je vais le faire. Et puis après, ben, sur cette base-là, je vais ben, pouvoir définir un seuil, et puis ben, finalement dire qu'au-delà, voilà, par rapport à des données qui seraient extrêmes par rapport à la classe majoritaire, par rapport à la distribution, eh bien, je vais associer la classe minoritaire. C'est des points un peu atypiques, aberrants, donc qui n'appartiennent peut-être pas à la même catégorie. Et donc, je vais leur affecter la catégorie minoritaire. Donc, du coup, je n'ai pas forcément besoin d'apprendre ce qui se passe côté classe minoritaire. Je vais me concentrer sur ce qui se passe sur la classe principale, la classe majoritaire. Et puis ensuite, voilà, de facto, tout ce qui sera extrême par rapport à cette classe majoritaire-là, que j'aurai convenablement apprise, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cette classe majoritaire, eh bien, j'affecterai la classe minoritaire à tous les outliers. Donc c'est un petit peu ça la philosophie de ces approches par apprentissage à une seule classe. Voilà. Et puis ensuite, un dernier type d'approche que je souhaitais vous présenter, donc ce qu'on appelle l'apprentissage ensembliste. Donc, hein, alors là, il y a aussi toute une vaste littérature sur ce sujet-là. Hein. Donc l'idée hein, de ces approches-là, alors, qui sont d'ailleurs pas forcément... n'ont pas forcément été développés pour contourner le problème des déséquilibres des classes. Hein. Mais en gros, l'idée, c'est de combiner les résultats de plusieurs algorithmes, de plusieurs modèles de classification, afin d'améliorer leur performance individuelle. Donc, un des représentants de cet apprentissage ensembliste, hein, c'est Justine. Donc là, l'idée de cet algorithme-là, ça va être d'entraîner
de l'entraîner sur des versions modifiées à plusieurs reprises, des versions modifiées de la base de données. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque itération de cet algorithme-là, on va affecter des poids à chacune des données, et ce poids va dépendre du fait que la donnée a été bien ou pas bien apprise, ou bien prédite par ou bien voilà, correctement classée par l'algorithme à la l'itération précédente. Et donc, du coup, l'idée, c'est que en introduisant ces poids de façon itérative dans l'apprentissage de l'algorithme, eh bien, là aussi, on va forcer quelque part l'algorithme à bien apprendre ce qui se passe sur les classes minoritaires qui risquent possiblement d'être incorrectement classées par l'algorithme. Et donc, on risque de leur donner plus de poids. Et donc, on va faire ça, voilà, on va quelque part apprendre à différentes étapes, différents modèles, et puis in fine, on va agréger, on va essayer de fusionner, on va essayer de combiner les résultats obtenus par l'algorithme pour les différentes itérations qui constituent. Donc là, il y a différentes stratégies d'agrégation participées par le bot. Mais voilà, donc c'est ça la philosophie du boosting. Et voilà, donc du coup, il y a ces techniques-là qui existent et qui peuvent, alors déjà par défaut, essayer de suppléer à ce problème de déséquilibre des classes, mais qui en plus peuvent être aussi combinées à d'autres techniques qu'on a pu voir. Donc typiquement des techniques d'échantillonnage ou des techniques externes, comme SMOT, que j'ai présenté. Et donc il y a voilà, des variantes qui combinent du SMOT et du boosting, ce qu'on appelle SMOT boost. Voilà, donc là, il y a tout un pan de littérature, de techniques qui vont venir combiner de l'externe et de l'interne, des approches internes et externes, pour là aussi essayer de contourner de façon plus efficace possible ce déséquilibre des classes. Voilà, donc du coup, je crois que j'en ai terminé pour la présentation des différentes approches. Alors, vous voyez bien, je n'ai fait que survoler le sujet pour les quelques minutes qui m'étaient imparties. Du coup, quand même, quelques éléments de conclusion pour clore cette présentation. Donc, j'espère que vous avez pu constater voilà, qu'il y avait quand même énormément d'approches qui étaient disponibles dans les littératures, donc qui reposent sur des concepts, des idées qui sont, voilà, pour certaines, très originales et en tout cas, possiblement très différentes les unes des autres. Alors, du coup, évidemment, la question qu'on a envie de se poser, c'est, c'est super, il y a plein de choses qui existent dans la littérature, mais est-ce qu'il y a des méthodes, des approches qui sont plus performantes que d'autres, qui marchent mieux? Est-ce que je suis capable de les paramétrer? Bon, tout à l'heure, voilà, j'ai évoqué les techniques de suréchantillonnage ou de sous-échantillonnage, mais finalement, est-ce qu'il y a une proportion minoritaire-majoritaire qui est optimale? Est-ce que du 50-50, c'est ce qui fonctionne mieux? Et est-ce que c'est cet équilibre parfait entre minoritaire et majoritaire qu'il faut que je vise quand je fais du suréchantillonnage ou quand je fais du sous-échantillonnage? Bon, en fait, malheureusement, c'est évidemment très difficile de répondre à cette question-là. Et donc, voilà, comparer les performances des différentes approches que je vous ai présentées ou qui peuvent exister dans la littérature, c'est en fait très compliqué. Alors pourquoi? Déjà, voilà, parce que chacune des approches repose sur des principes qui sont forcément, qui sont en tout cas très, possiblement très différents. Donc comparer des choux et des carottes, ça peut ne pas avoir forcément de sens. En plus, donc forcément, si on prend des techniques de type externe, data level, eh bien l'efficacité de ces approches-là va aussi dépendre du choix de l'algorithme que je vais ensuite utiliser. Si j'utilise une régression logistique ou si j'utilise un SVM, eh bien voilà, j'ai aussi la performance de l'algorithme intrinsèque qui va jouer sur globalement l'efficacité de prévision de la classe minoritaire. Donc voilà, ce qui fait que c'est pas si simple que ça de voir l'efficacité ou la performance propre à la méthode de contournement du déséquilibre des classes. Et puis, voilà, il faut aussi avoir en tête que chacune des approches qui existent dans la littérature vont dépendre de paramétrage. Donc, voilà, pour les techniques de suréchantillonnage et de sous-échantillonnage, un paramétrage, c'est voilà, quelle est la proportion de minoritaire et de majoritaire dans l'échantillon que j'ai modifié, dans l'échantillon rééquilibré. Est-ce que je vise du 50-50, du 75-25? Bon, voilà, ça, c'est un des paramètres d'entrée de l'approche. Et du coup, si je veux voilà, connaître l'efficacité de cette approche-là, il faut que je fasse varier tous les paramètres, tous les petits potards de chacune des approches. Et donc, voilà, vous imaginez bien que j'ai une explosion combinatoire du nombre de paramètres sur lesquels jouer. Et donc, voilà, cet exercice de comparaison des approches est finalement pas si simple que ça.
Alors d'ailleurs, hein, si on fait un peu de biblio, en fait, il y a très peu de papiers qui existent et qui comparent chacune des méthodes, parce qu'en fait, c'est un travail gigantesque qui requerrait énormément d'énergie et énormément de calcul. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu étonnant, c'est qu'il y a aussi assez peu de travaux sur des données simulées, parce qu'on dit qu'une approche assez facile, c'est de partir sur des cas qu'on maîtrise bien, donc vraiment de simuler des datasets pour qu'on connaisse bien toutes les choses. Et finalement, il y a assez peu de, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir dans la littérature, il y a assez peu de choses qui existent sur jeux de données simulées, ce qui est un peu étonnant. En tout cas, il y a quand même donc quelques papiers, donc je les mets en référence, hein, qui présentent, qui cherchent à comparer les performances de ces différentes approches. Et ce qu'on peut dire, hein, donc, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que typiquement, voilà, un équilibrage parfait 50-50 dans la base d'apprentissage, ce n'est pas forcément une stratégie optimale. Hein, il y a eu des essais numériques qui ont été faits. Et voilà, bien, un a priori qu'on pourrait avoir d'avoir une donnée parfaitement équilibrée, ce n'est pas forcément ce qui est plus pertinent. On peut aussi quand même dire que toutes les techniques à base d'échantillonnage, donc que je vous ai présenté, hein, de type SMOT ou TomecNix, eh bien, elles sont intéressantes parce qu'elles vont vous permettre d'améliorer les capacités prédictives ou les performances de l'algorithme. Par contre, elles viennent quelque part biaiser, modifier la structure de données, hein, puisqu'on va venir supprimer des points de la classe majoritaire ou rajouter des points de la classe minoritaire en simulant des nouveaux, en en générant des nouveaux points synthétiques. Et donc, quelque part, ils viennent complètement modifier la structure de la base de données. Et donc, ça va aider à mieux prévoir, à mieux apprendre ce qui se passe sur la classe minoritaire. Mais quelque part, je travaille sur un nouveau dataset qui n'a plus la même réalité physique que le jeu de données initial. Et donc, du coup, quand je vais chercher à interpréter physiquement quelles sont les variables d'entrée qui expliquent pourquoi je suis plutôt sur la classe majoritaire ou sur la classe minoritaire, eh bien, comme j'ai biaisé complètement, comme j'ai modifié complètement la structure de mon jeu de données, eh bien, je risque de perdre une interprétation métier des résultats issus de l'algorithme. Donc, il faut, quand on utilise ces techniques d'échantillonnage, ça permet d'améliorer la capacité prédictive des algorithmes. Par contre, attention, veillance, quand vous cherchez à interpréter physiquement quelles sont les covariables ou les features qui jouent en analysant finalement les sorties de votre algorithme, voilà, comme vous avez modifié toutes vos structures de données, vous risquez de dire, bah, tiens, telle variable joue, mais en fait, elle joue parce que vous avez modifié la structure, parce que vous avez fait de l'échantillonnage dedans, pas parce que, voilà, intrinsèquement, la physique ou les phénomènes sous-jacents à la base de données ont été ceux qui ont généré les deux. Donc, vraiment, ça, c'est une faiblesse forte. Donc, c'est ce qu'on appelle le data shift en anglais. Et donc, c'est un travers de ce genre d'approche. Donc là, il faut être très, très vigilant dans l'interprétation métier des résultats. Alors, le point positif quand même de tout ça, c'est qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de littérature scientifique, donc beaucoup de papiers qui existent, mais il y a aussi, heureusement, des outils de calculatoires qui sont disponibles. Donc, il y a pas mal de packages R et de librairies Python qui existent. Donc, là aussi, j'ai un transparent tout à l'heure avec quelques outils qui pourraient éventuellement vous aider si vous êtes intéressé. Et puis, voilà, en termes d'ouverture, donc moi, là, dans le cadre de cette Confisup, hein, je me suis limité à vous présenter des techniques sur de la classification binaire, donc avec deux modalités pour la variable de sortie. On se dit, bah, que dans plein de problèmes pratiques, je peux être amené à avoir plus de modalités, plus que deux, trois ou quatre. Alors, est-ce que les techniques que je vous ai présentées dans le cadre binaire sont tout à fait transposables dans ce cas multimodalité? On pressent que, voilà, qu'on pressent que du SMOT, que du TomecLynx, là aussi, si on a d'autres modalités, ça ne devrait pas forcément venir trop perturber le fonctionnement de ces algorithmes. En tout cas, voilà, il y a d'autres algorithmes, ou certains en tout cas, qui fonctionnent pour du binaire, qui ne fonctionnent plus pour une multimodalité au-delà de la partie de 3. Et puis, on peut aussi, je peux aussi avoir en sortie une variable qui n'est pas qualitative, mais qui n'est pas avec des modalités, mais qui est une variable continue, une variable quantitative. Donc là, du coup, je passe dans des modèles de régression, et donc je peux avoir là aussi des bases de données qui sont déséquilibrées. Donc, je ne sais pas, des revenus, je cherche à modéliser un revenu, et puis bah, j'ai peu de revenus importants dans ma base de données, j'ai que des revenus faibles. Bah, moi, je cherche à modéliser des dégradations pour la fiabilité de la variable. J'ai beaucoup de matériel qui ont des dégradations faibles, par contre j'en ai peu qui ont des dégradations élevées. Donc du coup, quand je vais essayer de caler un modèle de régression pour mieux connaître le niveau ou l'évolution de la dégradation, je vais me retrouver avec peu de dégradations élevées. Donc du coup, comment je gère ce
de déséquilibre sur la sortie sur des valeurs élevées. Donc là aussi, il y a, alors là, j'ai commencé à faire un peu de biblio. Il y a beaucoup moins de choses qui existent qu'en classification binaire. Il existe quelque chose, mais quelques outils, mais la littérature semble quand même beaucoup, beaucoup moins riche que dans le cadre voilà, de la classification et en particulier de la classification. Voilà, donc comme je vous disais, éléments de biblio, donc quelques articles. Donc je vous ai mis en orange, donc c'est vraiment un bouquin donc assez récent, hein, vous voyez, c'est neuf. Donc c'est vraiment un bouquin de référence qui couvre beaucoup, beaucoup des approches que j'ai présentées et puis toutes celles que je n'ai pas eu le temps d'exposer ce soir. Je vous ai mis aussi voilà, d'autres papiers qui sont intéressants, alors soit vraiment des états de l'art, hein, des surveys, soit certains voilà, vont chercher même à essayer d'évaluer les performances des différents algorithmes. Donc en particulier, je pense, le premier, ouais, celui de Ali, et puis voilà, celui de Core. Je vous ai mis aussi donc un papier voilà, sur le data shift. Hein. Donc ce que je vous disais, le fait que les techniques d'échantillonnage viennent modifier la structure des données d'entrée. Et donc ensuite, les résultats en sortie de l'algo ne sont peut-être pas forcément facilement interprétables. Donc du coup, voilà, cet avant-dernier papier est finalement issu de parle de ce sujet-là. Et puis je vous ai mis en dernière référence, là en gris, le papier de toute l'équipe hein, de Branco. Donc sur des extensions finalement de choses qui ont été proposées pour la classification dans un contexte de régression. Donc vous voyez là il y a du SMOT et puis du GN, c'est pour Gaussian Noise. Donc, ils vont quelque part rendre continue des choses qui étaient discrètes dans le cadre de la classification. Donc il y a voilà, quelques travaux qui existent en régression, plus en classification, mais il y a beaucoup moins de choses. Et puis, je crois, voilà, le dernier transparent que j'ai avec quelques packages ou librairies R et Python qui peuvent vous permettre, si vous êtes confronté à cette problématique de déséquilibre des classes, qui voilà, implémentent certains des outils, certaines des approches que j'ai présentées ce soir. Voilà, donc il y en a possiblement d'autres, hein, je ne sais pas si c'est exhaustif. En tout cas, voilà quelques-uns, donc des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Voilà, du coup, j'en ai terminé. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis, bah, si vous avez des questions, eh bien, c'est le moment de les poser.